Laurence, j'ai fait la capoeira ici. Moi, je suis venue pour te parler de ce livre. Ah, wow, ce livre. Ah, il est beau. Ah, je l'ai oublié. Désolée, je ne l'ai pas trouvé. Alors, vite, ensemble, nous avons discuté. Est-ce que tu voulais parler de ce livre? Oui. Ah, le tour du monde d'Anaïs, course poursuite en Afrique. L'auteur est Flavia Lynn Silva. Flavia Lynn Silva est née à Rio de Janeiro, au Brésil. Elle a été fille au père en Europe pendant un an. Mais ça veut dire quoi, fille au père? Ça veut dire qu'elle a été hébergée et nourrie. Par contre, elle travaillait sur une ferme. C'est là où elle a appris à raconter des histoires. Mais l'illustratrice, je ne l'ai pas trouvée. Moi, je la connais, c'est Johanna Pena. Johanna Pena est née en 1997 à Rio de Janeiro. Elle étudie le design à Barcelone. La maison d'édition est Bayer Canada. Bayer Canada publie des livres pour les jeunes comme Pomme d'Api et J'aime lire. L'équipe de Bayer Canada pense qu'il est essentiel de transmettre le pouvoir de l'amour chez les jeunes dès leur plus jeune âge. Mais Essia, il me manque trois informations très importantes. Le genre, la date de parution et le nombre de pages. Le genre, plafond, mais c'est quoi un genre, Essia? C'est comment il est le livre. Et cette fois-ci, c'est un roman. Ah, merci. Le nombre de pages. J'ai beau chercher dans le livre, mais je ne l'ai pas trouvé. Il y en a 203. Alors, merci beaucoup, Essia. Et la date de parution. S'il n'avait pas de date de parution, le livre ne serait pas sorti, hein? Ouais. C'est le 14 juin 2017. Ok, merci. Maintenant, passe au résumé. Le résumé, c'est que Anaïs entend un bruit. Elle veut, elle veut savoir d'où vient ce bruit. Alors, elle prend son hamac magique et... Nous voilà au Nigeria. Mais tout à coup, quelque chose survient. Tan, tan, tan. De retour après la pause. Bonjour, bienvenue à American Challenge. La première personne qui va nous montrer son talent est Elisabeth Fortin. Bravo, ma chère Elisabeth. Ok, c'est fini. Oh. Les forces du livre sont... Il y avait beaucoup de suspense, comme dans cette page-ci. Et vous allez comprendre pourquoi si vous lisez ce livre. Les images étaient très vivantes, comme celle-ci. Nous avons beaucoup aimé aussi les fiches descriptives. Comme ici, elle nous décrit le Nigeria. Aussi, nous avons trouvé que l'auteur a fait des drôles de mots comme celui-ci. Birimbalisme. Ça veut dire que Anaïs joue très bien du barimbo. Comment on l'a su? On a été chercher dans le dictionnaire. Essia, j'ai essayé de faire des recommandations. Mais j'en ai fait un peu. Mais je n'ai pas trop été capable. Moi j'en sais. Je recommande ce livre à des personnes qui aiment les animaux d'Afrique, qu'ils aiment découvrir le monde et qu'ils aiment le suspense. Nous avons décerné la médaille après la pause. Enfin, de retour à American Challenge. Bon, Elisabeth, vous continuez votre danse. Ok, c'est dit. C'est dommage. Moi, je décerne la médaille d'or. Moi aussi, je décerne la médaille d'or. Essia, tu veux-tu venir? Nous allons aller au Nigeria? Oui. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés.